Histoire biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère Prière Fervente vous présente la série d'histoires bibliques. L'histoire biblique de ce jour a pour thème les armes spirituelles. La Bible nous enseigne et nous convainc que la vie chrétienne est un combat spirituel de tous les jours. Alors, pour être un victorieux invincible, il faut se vêtir des armes spirituelles. Quelles sont ces armes spirituelles? Premièrement, nous avons la ceinture qui est la vérité que le chrétien doit dire. Dès que le chrétien dit la vérité, cette ceinture lui est déjà attachée spirituellement. Après la ceinture, nous avons la cuirasse de justice. Après la cuirasse de justice, nous avons les chaussures. Ces chaussures-là sont à nos pieds. Et ces chaussures représentent le zèle que donne l'Évangile. Lorsque nous sommes zélés pour prêcher et partager la bonne nouvelle aux autres, du coup, nous portons ces chaussures-là spirituellement. Après cela, nous avons le bouclier de la foi que nous avons en Dieu, la foi que nous manifestons dans toute situation, représente le bouclier. Et avec ce bouclier, nous pourrons arrêter ou éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les flèches que l'ennemi lancerait, nous pouvons les arrêter. Après cela, nous avons le casque du salut. Lorsque ta tête est protégée et que ce casque est sur ta tête, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Après cela, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons lire la parole de Dieu et la méditer tous les jours, afin de pouvoir garder dans notre main cette épée. Après cela, nous devons prier en tout temps, des prières de supplication, pour que l'Esprit de Dieu porte nos prières devant le Père dans les cieux. Voilà l'histoire biblique de ce jour. Histoire biblique, c'est avec le ministère Prière Fervente tous les samedis. Soyez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine.